Hey yo les amis, c'est Friturdi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez compris, aujourd'hui c'est le chapitre 10 de Roblox Bacon qui est sorti. On l'attendait parce que ça a mis plus de temps que d'habitude à sortir. Mais c'est chapitre 10, donc à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Chapitre 10, c'est quand même assez énorme. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va découvrir justement ce nouveau chapitre en espérant peut-être obtenir la fin en vidéo découverte, on sait pas. En tout cas, je balance et on tombe directement sur une map qui est buggée. Bref, ça commence super bien. On se retrouve directement, vous connaissez la chanson, dès que j'ai trouvé une game. Où nous pouvons voter le chapitre 10, je suis tombé sur des abonnés, donc c'est super. Du coup, gros bisous à Davy le Vengeur du 03, également à Bubblegum Anab 5903. J'espère ne pas me tromper. Du coup, ça fait très très plaisir de tomber sur des abonnés, parce que grâce à ça, j'ai plus de chance, bien évidemment, de pouvoir découvrir le chapitre 10. Du coup, voici le chapitre 10. C'est un hôpital, Rick et l'oncle Billy travaillaient ici, ou travaillent ici. Department in the Surgeon Department, donc en gros dans le compartiment, tout ce qui est chirurgie, etc. Je crois opération. There's always rumors experience. En gros, il y a un étage secret dans l'hôpital et il y a des trucs secrets. Ok. It's like somebody has been searching for a formula. Donc il parle de formule, de chercher une formule. Une formule de quoi? Une formule magique? Je ne sais pas. Et nous voici du coup dans le fameux chapitre où nous allons essayer de s'échapper avec les abonnés qui j'espère pourront m'aider, parce qu'en plus de ça ils m'ont dit qu'ils avaient réussi, donc ce serait parfait si on pouvait avoir la fin ensemble, ce serait vraiment nice de chez nice. Par contre j'aime bien l'ambiance et la musique. Ok, là il y a une petite clé, je prends la clé, on verra bien où est-ce que je peux l'utiliser, parce qu'au final je découvre la map avec vous, donc c'est clairement la première fois que je joue sur cette map là, c'est mes premiers pas. Donc je ne connais absolument rien et l'endroit a l'air d'être un petit peu labyrinthesque. Et à mon avis dans ces couloirs là ça doit être très compliqué. Oh merde, il est déjà là. Une fois qu'il est déjà là. Ok ok, attends. Ils vont le ramener, ok. Ils ont le marteau, c'est parfait, regarde. Lui va pouvoir enlever les planches de bois. Vas-y, je te suis le vengeur. Je te suis mon pote. Parfait ça, il envoie les planches de bois. Enfin il envoie, il enlève, après il peut les envoyer aussi. Il en a envie, pourquoi pas j'ai envie de dire. Il est où, il est où, il est où, il est où? Attends, je l'entends en fait comme s'il était genre tout près, mais je crois qu'il est au-dessus, il est juste au-dessus de nous. Ouais c'est ça, moi j'ai une clé bleue, je sais pas quoi elle sert. Au final je suis là en mode touriste, gros là il y a un câble. Je sais pas comment est-ce que je pourrais l'utiliser, j'ai pas quoi en faire. Du coup je laisse ceux qui connaissent prendre les objets. Mais j'espère quand même pouvoir utiliser ma clé bleue. Mais je pense qu'à mon avis elle a déjà été utilisée et que c'est pour ça que j'ai pu la récupérer directement. Là il y a une clé orange, ah parfait, je peux prendre la clé orange. Nickel, allez je vais servir à quelque chose. Hop, on fait ça. Ensuite, on prend la petite clé violette et on va pouvoir débloquer El Famoso. Ah non, c'est pink. Ah ouais, c'est rose, alors ce n'est pas violet. Ok, ok, je me suis trompé. Il y a aussi la clé rouge ici. Écoutez, je vais garder ma clé rose, pourquoi pas. On va essayer de passer par là. Ok, la map est très sympa par contre. Hein. Franchement, j'aime bien. Bon, c'est simple, tu vois, c'est un hôpital. Très, très simple au niveau des décors, etc. Mais l'ambiance est quand même plutôt cool, je dois avouer. Ah, il y a un autre abonné ici, Fondred. Salut mon pote, ça va finir sur une game où il y aura que des abonnés et ça c'est très très bien, c'est très 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 bien. Si on peut avoir la fin ensemble ce serait magnifique. Par contre la clé rose, je ne sais pas où est-ce que je dois l'utiliser. Je sais que c'est une clé utilisable parce que c'est une toute nouvelle clé. Ou alors je vais plutôt chercher la clé rouge, celle encore là, pour aller débloquer la porte rouge. Alors attention, par contre ne te ramène pas tout de suite s'il te plaît mon poteau. Ok, donc la clé rouge a été prise. Par contre je pense que je peux prendre le câble et aller le mettre. Tout simplement, merde, hop, 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 hop. Enfin, attention, Bacon n'est jamais loin. Sachez-le, prenez ma clé rose si vous en avez envie, il n'y a pas de problème. Oh putain, il est là. Il veut pas nous lâcher, 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 il veut pas nous lâcher. Ah, ok, parfait, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nickel, allez, il faut que j'arrive à aller mettre le câble. Je crois que c'était là, hein, normalement, si je dis pas de bêtises, non, pas par là-bas. Quoique, attends, elle est par où? Merde, je sais plus. Je sais plus, je me perds. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça, normalement. Mais je suis en train de me perdre, réellement. Attends, c'était pas par là? Si, c'était par là. Voilà, là, tu peux mettre un petit câble. Pourquoi il se met pas? Pourquoi est-ce qu'il se met pas? Attends, comme ça peut-être? Tiens, 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 c'est bizarre ça. J'essaye de mettre le câble, ça ne fonctionne pas. Ok, bon je sais pas, ça ne fonctionne pas. Très bien, je sais pas trop pourquoi. On va laisser le câble, peut-être que quelqu'un arrivera à l'utiliser et saura comment faire pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est très bizarre, c'est vraiment étrange. Le fait que je puisse pas l'utiliser comme ça, c'est vraiment bizarre. Alors la clé rouge, du coup, il y a quelqu'un qui l'a prise, mais il ne sait pas apparemment où est-ce que ça se trouve. Le cadenas rouge, donc ça c'est plutôt problématique. J'ai vu aussi qu'il fallait également avoir le pied de biche, je pense. Je crois pas qu'il reste énormément de choses. C'est juste que le truc du câble, là, ça me rend fou. Donc vous savez quoi, on va réessayer à la limite avec le câble vert qui est un autre câble. Peut-être qu'on doit d'abord mettre en premier le câble vert. Et ensuite seulement, tu peux utiliser le câble rouge. Putain, il m'a fait peur.
Peut-être que c'est ça en fait. Peut-être que c'est ça le délire. On va essayer de faire ça et on verra bien si ça passe ou pas. Sinon, il y a de quoi péter un câble. Excellent. Ok, marche pas, tu vois, ça marche pas, ça marche pas. Je comprends pas. Je comprends pas, pourquoi ça marche pas? Ouais, elle aussi. Ah si, c'est bon. Ok, si, si, fallait d'abord débloquer le bail. Ok, ok, je viens de comprendre, je viens de comprendre, je viens de comprendre. Hop. Ok, oh là, j'ai refermé la porte au bon moment. Je viens de comprendre le délire du câble en fait. Et je crois que j'ai mis le câble vert. Normalement, il s'est mis. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer le câble rouge que j'avais laissé en bas. Heureusement que j'ai retenu où est-ce que je l'avais laissé. Pour la dernière fois, n'est-ce pas? Merde, je suis en train de tourner en rond. Je vérifie quand même que... Oui, je l'ai bien mis. Oui, oui, c'est bon, je l'ai bien mis. Oh merde, elle s'est fait tuer par contre. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire qu'il reste peut-être plus que moi dans la game. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. La pression est clairement sur moi. Il faut juste que j'arrive à trouver les escaliers pour aller en bas. Voilà, c'est parfait. Les escaliers sont ici. Et le câble rouge, je l'avais laissé normalement dans cette pièce-là, je crois. Attends, c'était pas là-dedans? Non, c'était pas là. En tout cas, 100% c'était en bas. Le fameux câble rouge et le fameux saut. Non, je suis là-bas. C'est pas grave, j'ai encore une vie. C'est pas grave, je ne m'avoue pas vaincu. Je ne m'avoue clairement pas vaincu. Je vais prendre le taser. Si j'arrive à le taser, ce serait magnifique. Il y avait encore un survivant avec moi, apparemment. Ok, ok, ça va le faire, ça va le faire. On va le taser, t'inquiète pas. Oh, wow, 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 wow. Par contre, là, c'était chaud. Là, c'était chaud, là, ce qui vient de se passer. Juste que j'arrive à le semer. S'il te plaît mon pote, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vas-y, viens, 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 je t'attends, je t'attends, je t'attends. Viens mon pote. Allez, viens. Come on. Il va pas. Il va pas le taser. Il va pas le taser. Il va pas. Allez, 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 hop, 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 on passe par là, on passe par là, hop, là, hop, là, on passe par là. Et merci mon pote. Et hop là, on se dégage, on se dégage. On décampe d'ici, on décampe. Faut que j'aille en bas. Ok, il m'a pas vu. Viens, 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 il m'a vu, il m'a vu. Clairement vu. M'a clairement vu. M'a clairement vu le bug là. Je viens du temps, j'espère qu'il a pas compris que ce que je faisais. Ok, c'est bon, c'est bon. Allez hop, allez hop, allez hop, on va en bas, on va en bas, on va en bas. Merde, il m'a vu. Il m'a clairement vu. Aïe, 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 je suis dans le sale drap là, je vous le dis. Je suis dans la merde alors que les deux câbles sont là. Enfin, j'en ai plus qu'un à prendre. Oh là là là, ça va être compliqué cette histoire. C'est un bot en fait, tout simplement. Ok, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Commande, commande, commande. Let's go, 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 let's go. Voilà, porter le câble. Vite, 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 vite. Il y a quelqu'un qui est avec moi, c'est parfait. Il va pouvoir se focus sur lui en attendant que je fasse le reste. Écoutez, tac, on met le câble ici. Magnifique, ce qui nous permet de débloquer, je crois, une grille. Oh oh, je suis dans la merde, 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 je suis dans la merde. Allez, allez, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Alors, j'ai un levier. Levier, je ne sais même pas où est-ce que je peux le mettre, ce fameux levier. Allez, le levier, il ne sait pas où est-ce que je peux te mettre le levier, je sais pas du tout. Un robot, du coup, il est impossible à semer celui-là. Ah, c'est sûrement quelque part ici, non? Ok, j'ai mis le levier. J'ai mis le levier, j'ai mis le levier, j'ai mis le levier. On va aller chercher l'engrenage qui est en haut. On va engrainer la machine là, vraiment là. Ok, parfait, parfait. J'ai le golden engrenage. Magnifique, 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 magnifique. Allez, 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 allez. Ça peut le faire, ça peut le faire. Pas du tout en fait, il reste qu'une minute. Mais écoutez, c'est pas grave. On fait un maximum de choses avec le temps qu'il nous reste. Ça va pas? Ça va pas? Pourquoi j'arrive pas à mettre l'engrenage? Oh putain. Allez, c'est parti du coup. Les abonnés sont toujours aussi motivés, ça fait plaisir à voir, c'est beau, c'est beau, c'est beau de voir ces abonnés essayer de m'aider comme ça. Cette fois-ci les amis, c'est la bonne game, on va y arriver, ok? Là on n'a pas droit à l'erreur, on va devoir enchaîner comme Jaja, donc je prends la petite clé orange, désolé mon poteau, mais je te prends la petite clé et on va enchaîner directement. Là, là, sûrement là, là, quelque part, là, 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 je pense que ça doit être ici, ouais, 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 parfait. Ok, ensuite, via ça, après, tu as accès à la clé rouge. Clé rouge qui te permet normalement d'aller ouvrir la porte qui était près du truc avec les câbles. Donc ici normalement je pense on perd pas de time, hein. Je vous le dis, on perd pas de time. Tac, on enchaîne directement. Je sens que cette game c'est la nôtre. Ensuite le levier c'est pour en bas. Tu peux prendre le cutter par contre. Ça va, en vrai la map est très 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 simple. Une fois que tu joues un petit peu dessus, même quelques minutes, hein, vous avez vu en une partie, je sais déjà plus ou moins où se trouvent les endroits et tout. Attends, on est d'accord qu'il peut pas nous toucher, hein. Ouais, il peut pas nous toucher. Merde, 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 merde. Merde. Ok, ça passe, ça passe, ça passe. On va aller mettre le levier, on va aller mettre le levier. Putain, on va l'enchaîner cette game, j'ai l'impression. On met le petit levier du coup, ici. Voilà, le levier est mis. On va prendre le marteau si jamais je peux l'utiliser. Au final, je sais pas trop, mais pourquoi pas. Il y avait la clé rose là. Allez, t'es où, Bacon? Tranquille, tranquille, mon pote. On va aller là, comme ça. Hop là, on est un petit peu caché. Alors, il reste quoi là, en gros? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste les câbles, il reste la clé violette pour le petit coffre ici. Ouais, ok, 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 je vois, je vois. Attends, on va passer par là par contre. Est-ce que moi je peux utiliser le marteau? Est-ce qu'il a déjà été utilisé pour enlever les planches ou quoi? Une très très bonne question, ça en vrai. Ah, mais en tout cas, j'entends des bruits qui sont intéressants. Il y a des choses qui sont en train de se faire là et ça me fait très plaisir. Ouais, le marteau, je pense qu'il a déjà été utilisé, sinon bah, j'aurais déjà vu les planches.
Donc il faut que je trouve un autre objet plus intéressant. Vous savez qu'il y a la clé violette à récupérer par exemple. Il y a quoi? Il y a la clé jaune et le taser. Ok. Alors je suis le vengeur, peut-être qu'il veut m'indiquer le chemin. Peut-être le guide du chapitre 10, peut-être, je ne sais pas. Je le suis en tout cas. Il saute peut-être pour me dire, Frit, regarde, il faut faire des choses ici là vraiment. Oh oh. Attends. Oh, quel est cet endroit? Quel est cet endroit? C'est un raccourci en fait, tout simplement. Un petit raccourci des familles. Il manque le bouton. Ok, il manque le bouton. Par contre, j'ai vu le pied de biche. Et je crois que le pied de biche, on peut l'utiliser en fait. Donc attends. Oh, wow, 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 wow. Ah, attends, du calme, Bécole le frérot. Du calme, Bécole le frérot. Hop, 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 hop. Voilà. Putain, j'ai eu chaud là. Là, j'ai vraiment eu très, très chaud. C'est un bot, hein. Clairement, on voit que c'est un bot. Yes, 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 il a le bouton. Fais gaffe par contre, mon pote. Il y a Bécole juste en bas. Faire gaffe, mon ami. Faire gaffe. Oh non. Oh non. Il s'est fait avoir. Non, c'est bon, il a réussi à mettre. Il a la clé grise. Il a la clé grise. Vas-y frérot, va en haut, va en haut. Occupe-toi de ce que tu dois faire, t'inquiète même pas pour ça. Je garde Bécole, y a pas de problème. Je suis clairement sa cible pour l'instant. Je vais le garder. Tu puisses aller gérer la porte. Le cadenas gris du coup de la porte de fin. Est-ce qu'on va pouvoir s'échapper ou pas? Je ne sais pas, telle est la question. Ah regarde, 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 regarde. Il manque le cutter, le pistolet qui était dans la pièce spéciale justement. Allez, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. On va aller le récupérer, je sais où il est. Je sais où il est. Il est pas par là. Il est plutôt par là normalement. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Donc est-ce qu'il est encore là ou pas? Ou est-ce que quelqu'un l'avait récupéré? Non, il est toujours là. Hop. Vas-y, on prend le pistolet. Allez, viens Bécole. Viens, 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 je te contourne, je te contourne, je te contourne. T'es un petit peu bête, heureusement. Vas-y, j'ai le fameux El Pistolero. Et on se tire. Yes, the escape door is now open. One day we will build together. Ok, donc un jour je sais pas quoi. Donc là on voit les sortes de produits chimiques. Peut-être pour faire la formule. Et c'est la fin, très bien. Bah alors les fins de Roblox Bacon, c'est toujours quelque chose hein. C'est de qualité hein. C'est toujours des fins de qualité, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des fins de qualité. Du coup on va s'arrêter ici, je remercie encore les amis qui étaient là, donc Fondred, le Vengeur, bref tout le monde, tout le monde, tout le monde. Merci de m'avoir aidé à voir la fin. Vous êtes clairement les boss. Et pourquoi vous êtes les boss? Parce que vous faites partie de la Frit Family. Et nous on est les meilleurs. Bref, en tout cas les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu, ça me ferait très plaisir. À mettre dans les commentaires, ouais frère, j'ai adoré le chapitre 10, la fin a été exceptionnelle. Je remercie aussi Bubblegum, Adam, hein, bien évidemment. Du coup, bah voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, abonnez-vous ici si ce n'est pas encore fait, à la chaîne principale juste à côté, ou checkez toutes mes autres vidéos, et suivez-moi sur Twitch aussi, bien évidemment. Sur Twitch, on s'amuse. Bref, restez, portez-vous bien, ciao, ciao tout le monde.